Si je place un Skibidi Toilet, de l'autre côté, je place un Caméraman. Désormais, voici comment ils se battent. D'après vous, qui va remporter ce combat épique entre Skibidi Toilet et le Caméraman? Je laisse les paris ouverts. Ok, attention, il est parti où le Caméraman? Ok, il est en train de se battre. Le combat est extrêmement serré. Qui va remporter le combat? Et c'est Skibidi Toilet. On se retrouve sur Garry's Mod, un jeu dans lequel je possède absolument tous les boss de Skibidi Toilet, tous les Caméramans, tous les Speakerman, tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Grâce à ce jeu, nous allons pouvoir simuler les batailles dont vous avez toujours rêvé avec les personnages de la folle série Skibidi Toilet. On commence avec une première petite guerre très simple, 4 Skibidi Toilet vs 2 Caméramans. Voilà, un premier Caméraman et puis un second, et 2 Boomboxman. Voilà, c'est bon, on a 2 Boomboxman, 2 Caméramans, 4 Skibidi Toilet. Est-ce que vous êtes prêts pour la première bataille? C'est parti, la première bataille peut commencer. Les Skibidi Toilet vs les Caméramans. Ok, ça commence de manière assez puissante. Les Caméramans sont littéralement en train de se faire exploser par les Skibidi Toilet. Il y a eu un seul Skibidi Toilet qui est mort. C'est quoi ce délire? C'est une véritable dinguerie. Bon, ok, les Skibidi Toilet sont plus forts que les Caméramans et que les Boomboxman. Voici juste une petite mise en bouche. J'ai le Skibidi Toilet bulldozer. Ça vous donne une petite idée des combats épiques que l'on va pouvoir organiser, simuler. Voilà, donc là je mets 5 Skibidi Toilet, 2 Skibidi Toilet machine à laver, voilà, un de chaque côté, 2 Skibidi Toilet cagoulés, des petits contrôleurs, voilà, on va en mettre 2, c'est largement suffisant. Un Skibidi Toilet dieu, il est très puissant. Là on a déjà une belle petite armée. En face on va littéralement mettre 8 Caméramans, ils sont plutôt très classe dans leur petit costard. Des Boomboxman, on va en mettre 4, 2 Boomboxman armés, d'ailleurs il manque un Caméraman pour faire 8, 2 Caméramans qui sont armés eux aussi, 2 Caméramans contrôleurs pour affronter les Skibidi contrôleurs, et un Caméraman crochet, je ne connais plus exactement son nom. Je sais plus c'est quoi son nom exact, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, juste observez la taille de cette map. S'il y a 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je remplirai cette map d'une armée de Toilet, Caméraman et Speakerman. J'ai un PC très puissant et on pourra organiser cette bataille légendaire s'il y a 5000 pouces bleus sur cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première bataille? Moi oui, alors c'est parti. Wow, ok, attendez, le Skibidi Toilet, dieu, il a l'air extrêmement puissant. Il est parti dans les airs. Wow, oh la dinguerie, vous avez vu, il monte en l'air, il retombe et ça fait une sorte d'explosion au sol. Wow, attends, mais ils sont littéralement en train de se faire exploser, les Caméramans. Ok, on va un peu plus proche. Ok, les Caméramans avec leur petite fusée, ils sont assez puissants, ça tire dans tous les sens. On a le Skibidi Toilet cagoulé qui affronte tout simplement les Caméramans qui sont armés. Alors lui, il s'est littéralement fait exploser. Mais attendez, parce que là, oh là 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 là, oh, il va à la guerre. Ok, qu'est-ce qu'il va emporter? Le Skibidi Toilet dieu, il est mort. Oh, la bataille est extrêmement serrée, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah mais non, le Skibidi Toilet dieu, il a l'air tellement puissant. Il est en train de compter. Mais attendez, le glitch, attendez, il n'y avait pas de glitch, non? C'est qui eux qui se baladent? Oh là 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 là, les Skibidi Toilet l'ont emporté. Non, pas encore. Regardez, le Skibidi Toilet dieu, il est en train d'affronter un Caméraman armé. Non, c'est un Boomboxman armé. Qui va remporter? Il n'arrive pas à l'atteindre, il n'arrive pas à l'atteindre. Il est coincé sous le pont. Mais non, il est coincé sous le pont, le ref. Il va falloir l'aider un peu. C'est bon, voilà, let's go. Ok, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Oh, il monte en l'air, il va redescendre pour faire son antisismique. Oh là là, et ça l'a même pas buté. Bon, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas se battre, mais c'est pas grave, puisque nous on va commencer à faire beaucoup mieux. On va commencer avec 10 Skibidi Toilet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Skibidi Toilet, accompagné de 10 contrôleurs, accompagné d'un Skibidi Toilet glitché. Lui, je vous dis, il est extrêmement puissant. Accompagné de 2 scientifiques très puissants. Regardez derrière leurs armes épiques. Accompagné de 3 Skibidi Toilet chauves. Derrière, on met un Skibidi Toilet Obunga. D'ailleurs, est-ce que ça vous plairait que je reproduise les batailles de la série Skibidi Toilet dans Garry's Mod pour voir si les batailles sont réalistes ou non? Ensuite, 2 Skibidi Toilet silencieux. Et là, on commence avec l'artillerie lourde et le Skibidi Toilet armé. Alors, c'est pas lui que je voulais déplacer, c'est celui-ci. Un J-Main, voilà. 2 J-Main, voilà. Et là, on a une armée plutôt sympathique qui va affronter une énorme énorme armée de caméramans. Là déjà nous avons 20 caméramans. Ensuite on a des projecteurs man. Et là nous avons le projecteur man méga boss qui arrivera après tous les petits caméramans pour affronter l'énorme armée de Skibidi Toilet. D'ailleurs je pense qu'il est vraiment cheaté, du coup on va rajouter deux gods, deux dieux Skibidi Toilet. Oh là là, ça va être juste complètement épique. Oh là 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 là, les armées sont incroyables. Est-ce que vous êtes prêts à ce que vous allez voir? C'est parti. Oh là 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 là. Oh là là là, regardez, regardez, regardez. Il a l'air tellement puissant. Oh, il y a des roquettes qui s'envoient de partout. Alors c'est lui, vraiment VS tout le monde. Est-ce qu'il va réussir à l'emporter? Ça risque d'être compliqué, il y a vraiment tout le monde sur ses côtes. Tous les caméramans ils se sont fait exploser. Oh là là, ils sont tous morts. Sauf que lui vraiment il arrive à très très bien se battre. Non, il est mort. Mais oui, il n'était pas assez puissant. Ah ouais, d'accord. Alors eux vraiment ils sont vraiment super puissants. Et si j'en plaçais deux, qu'est-ce que ça donne? Ok, là les deux VS tous les Skibidi Toilet, qu'est-ce que c'est en train de donner? Ok, la bataille est assez épique. Ouais, on est en train de voir ça. Ils sont en train de se battre, le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas assez puissants hein. Vraiment, oh mais non, il vient de se faire défoncer. Waouh, mais vraiment les Skibidi Toilet sont juste beaucoup trop puissants hein. Wouah, attendez, mais je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais pas qu'ils étaient aussi peu forts. Non, vraiment, ils sont beaucoup trop puissants. La bataille était pas si intéressante que ça. On va faire beaucoup mieux. Juste avant de faire la bataille complètement épique, on va se faire un petit combat extrêmement fun avec le Skibidi Toilet Dieu qui va être entouré de caméramans. Genre vraiment, je vais l'entourer de centaines de caméramans, puisque vous savez, il monte en l'air et redescend, il fait une sorte d'explosion au sol. Je veux voir s'il peut affronter plein de caméramans qui sont en cercle autour de lui, ça peut être vraiment épique, vraiment. Ok, ok, attendez, là je suis un peu coincé. Je fais un grand cercle de caméraman autour du Toilet Dieu. Wesh, mais pourquoi je peux pas bouger? Ah oui, ok, d'accord, hop, c'est bon. Là, on va déjà faire le premier cercle. Voilà, let's go, le premier cercle de caméraman. Bon, je sais pas trop dessiner les cercles, mais c'est pas grave, on va le compléter ici, du coup, le cercle. Voilà, on va en rajouter un peu plein de caméramans ici. Avec tous leurs costards, on dirait les Peaky Blinders. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les Blinders. C'est pas trop stylé tous ces caméramans qui regardent le Skibidi Dieu. On va mettre encore plus de caméramans parce que je pense que le combat il est vraiment pas équilibré pour le coup. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je sens que ça fait totalement épique. C'est parti. Et regardez, ils montent en l'air, ils montent en l'air, ils montent en l'air. Est-ce que ça va tous les buter? C'est ça que je me demande. Faire tomber. Bon, wow. Mais wow. Ok, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, cinquième cercle. Et là, je pense qu'on est pas mal. C'est parti. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il va redescendre. Oh non, c'est ça, c'est une blague. C'est littéralement une blague. Tout ça pour ça. Non, j'ai envie de pleurer. Non, c'était tellement stylé. Sérieux, ça a pris tellement de temps de faire ça. Bon, écoutez, là on va passer à plus sérieux. Une immense bataille. Il est temps de passer à des choses un petit peu plus sérieuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite des G-Main. Ensuite un dieu. Ensuite des Skibidi Toilet missiles. Ah, là ça commence à me plaire. Évidemment un bulldozer. On fait pas les choses à moitié nous. Des Skibidi Toilet araignées. Des hélicos Skibidi Toilet cagoulés. Le Skibidi Toilet erectus. Là on a une très très belle armée. Mais attention, le Speakerman méga boss, le Projecteur man méga boss, le TV Man méga boss. Oh là 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 là. Alors regardez la bataille qui s'annonce. Oh là là, ça va être incroyable. Le TV Man méga boss, le caméraman méga boss. Est-ce que vous êtes prêts pour cette bataille qui risque d'être épique? Je pense qu'il y a moyen que eux et Win, on va peut-être renforcer un peu les troupes d'ici avec un Skibidi Toilet octopus. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce combat complètement épique? C'est parti, let's go. What? On voit plus rien. On voit plus rien tellement c'est la guerre. Attends, mais attends, non, 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 quoi? Mais il n'y a eu aucun match, il n'y a eu aucun. Ok, il va falloir faire un petit peu plus équilibré parce que là, vraiment, on a tout envoyé, ça a été n'importe quoi. Ouais, vraiment les boss, non, là, ça allait pas du tout. Bon, ça nous permet d'arriver un peu la bataille. D'un côté, le Skibidi Toilet épée, Swordman. Le Skibidi Toilet boucher. Deux Skibidi Toilet cagoulé géant. Deux Skibidi Toilet missile. Le Skibidi Toilet bulldozer. Et plein de petits Skibidi Toilet. En face, le TV Man Mechaboss V2. Et le TV Man Mechaboss. Le Caméraman crochet et plein de petits caméramans et de projecteurs. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! C'est parti! Ok, le boucher. Ok, là la guerre est un petit peu plus serrée. Le boucher qui se bat contre le TV Mechaboss V2. Le Sword, l'épéiste. Non. Eh bien en fait lui il est beaucoup trop fort. Ok, on va faire la même chose mais juste contre lui. Voici des Skibidi Toilet. Le Skibidi Toilet tripode. Deux Skibidi Toilet missile. Deux Skibidi Toilet bulldozer. L'Hydra Skibidi Toilet. Le Skibidi Toilet épéiste. Swordman. Et le Skibidi Toilet boucher. VS le TV Mechaboss V2. Let's go. Ok, la bataille bat son plein. Ok, là c'est beaucoup plus serré. On voit plus rien. Ok, c'est bon, je me rapproche. C'est bon, oh let's go. Ok, ils l'ont eu. Ok, ok, très serré. Enfin, pas si serré que ça, attendez, on va faire un petit test. Et c'est reparti. Ok, ils viennent de buter l'Hydra en 2 secondes. En fait, c'est peut-être la combinaison des deux qui est super cheatée. C'est peut-être la combinaison des deux effectivement qui est super cheatée, puisque regardez, ils les ont littéralement défoncés. Mais what? J'ai créé une armée incroyable de Skibidi Toilet et je la pense capable de battre ces deux boss. Est-ce que vous êtes prêts pour cette guerre épique? Let's go. Oh là 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 là, mais non mais c'est trop. Ils sont trop puissants, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La guerre épique, la guerre épique, c'est beaucoup plus serré que la dernière fois. Ok, qui va remporter? Qui va remporter? Oh, ça va être tellement serré, c'est tellement serré. Oh, la baston est tellement serrée. Non, ils sont tous les deux morts. Oh, let's go. Let's go. Et là j'en mets juste un seul, est-ce qu'il va le battre? Le Mechaboss, ok, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Ok, ok, c'est bon. Ah là c'est sûr, il va les battre tous les deux, il va les battre tous les deux. Ah mais oui, c'est sûr et certain, allez bam bam bam. Allez, mais oui. Maintenant qu'on commence à connaître légèrement les boss et leur puissance, 5000 pouces bleus, je remplis cette map d'une armée gigantissime. Deux armées qui vont s'affronter, deux armées équilibrées.